Bienvenue à l'activité créatrice sur la lettre N en mathématiques, donc les nombres. Ce que j'ai dessiné, premièrement, je suis allée choisir un arrière-plan. En cliquant ici, j'ai confirmé mon arrière-plan. Je clique sur le crochet. Comme moi, c'est déjà fait, je vais cliquer sur le X. Par la suite, je suis allée chercher mes petits poissons. Alors, pour aller chercher les poissons, j'ai pris sur le plus. Je suis allée chercher les images ici. Et une fois que j'en ai fait un, par exemple, je vais prendre celui-ci. Je clique sur le dessin parce que je veux le modifier. Je vais le placer vraiment dans ici. Je vais prendre le tampon et tu vois que je peux mettre plus qu'un poisson. Alors, je vais dupliquer mes poissons. Une fois que je suis satisfaite, je clique sur le crochet, puis là, je peux venir les situer. Alors, maintenant, je dois les programmer. Je peux faire un mouvement que je vais faire programmer premièrement, les poissons verts. Alors, lorsqu'ils vont partir, je vais les amener à se faire à déplacer comme ceci. Je veux qu'ils se déplacent un peu en ligne droite, puis je voudrais qu'ils descendent un peu. Pour les petits poissons de mer, les petits chevaux de mer, je vais faire la même chose et je veux tout simplement qu'ils s'en aillent vers la droite et de quatre déplacements. Par la suite, je vais programmer mes petits poissons jaunes. Pour leur part, ils vont partir aussi. Lorsque le petit drapeau sera là, je vais les faire descendre et ils vont, tiens, revenir à reculons. Alors, quand je vais partir mon programme, on va partir tous les poissons en même temps et donc ils vont se déplacer. Il nous restera donc à faire apparaître le nombre. Alors, je te suggère pour les compter, hein, dire j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, on peut faire une phrase. Il y a 12 poissons. Tu pourrais aussi décider de l'enregistrer. En faisant un Enter, tout est là. Et tu pourrais enregistrer. Dans mon aquarium, il y a 12 poissons. Et on ferme. Alors là, on pourrait avoir et la phrase et l'enregistrement. Et notre programme, donc, pourrait être terminé. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir pour illustrer les nombres, travailler les nombres. Au premier cycle, on travaille principalement les nombres jusqu'à 100. Alors, bonne expérimentation!